Chers amis, bonjour. Deux églises ont été profanées en plein carême. Cela s'est passé à quelques heures d'intervalle. La première attaque a eu lieu la nuit du samedi 20 au dimanche 21 mars 2021. Deux individus ont pénétré dans l'église Saint-Isidore à Nice. Non seulement ils ont volé des objets liés au culte, mais ils ont aussi vandalisé les lieux en détruisant une partie du mobilier. Le fait qu'une église niçoise soit encore plus possible, n'est pas anodin. Tout le monde se souvient de l'attentat qui a coûté la vie à trois fidèles en octobre 2020. Ils ont été égorgés dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption qui se trouve à quelques kilomètres de Saint-Isidore. Plus inquiétant encore, la profanation du 20 mars a été commise quelques heures après qu'une messe ait été interrompue dans cette même basilique. Un individu est entré en plein milieu de la cérémonie en criant « Je soutiens mes cousins musulmans ». La deuxième profanation a eu lieu à La Rochelle, dans les Charentes-Maritimes, tout indique que les coupables sont des satanistes. L'après-midi du lundi 22 mars, l'aumônier de l'hôpital Saint-Louis a découvert que la chapelle de cet établissement, datant du XVIIe siècle, avait été ravagée. Les draps de l'hôtel étaient tachés d'urine, le tabernacle abritant les Saintes Espèces avait subi une tentative d'effraction et une statue du Christ en taille réelle, gisait au sol, brisée, en mille morceaux. Le lendemain, une hostie a été découverte sur le sol, ainsi que plusieurs indices montrant une tentative d'incendie. L'évêché a dénoncé à juste titre un acte odieux. Je cite la communiqué de l'évêque de la Rochelle-Lessante, Mgr Georges Collot. Il ne s'agit pas d'un jeu de mauvais goût d'adolescents à mal de divertissement, mais bien d'un acte antichrétien qui touche toute la communauté catholique. Hélas, ce n'est pas la première fois. Que de tels actes sont commis dans ce diocèse. En un an, cinq profanations ont été recensées. Quand ces abominations prendront-elles fin Le premier pas serait d'abord que l'on en parle, que des gens soient au courant de ce qui se passe en France. J'ai besoin de vous pour tirer la sonnette d'alarme contre la haine antichrétienne qui se déchaîne en France. S'il vous plaît, aidez-moi à payer de la publicité sur les réseaux sociaux. En accordant à Avenir de la culture un don mensuel de 7 euros, vous me permettrez d'attendre 2 000 Français. Avec un don mensuel de 15 euros, je parviendrai à alerter 5 000 personnes. Et avec un don de 30 euros, vous me permettrez d'alerter 10 000 de nos compatriotes. Chaque euro investi dans cette publicité permet de donner une plus grande diffusion à la vidéo et donc de faire croître la réaction face à la haine antichrétienne. Avenir de la culture ne reçoit aucune subvention publique. C'est votre don qui permettra de faire la différence pour alerter les Français. Je compte sur vous. Merci et à très bientôt.